Bonsoir. Bonsoir. C'est un peu tôt pour commencer le stream, hein. Ouais. Non mais ouais. Sûrement. Sûrement. Ta gueule. Par contre, tu vas te baisser un petit peu. Sans déconner, tu baisses ta race. D'un cran, tu baisses ta race. Non, pas trop non plus. C'est Xuxu. Attends, j'essaie de voir quel thème je peux foutre, vite fait. Parler, vite fait. Soir Erso, bonsoir l'Oltruche. Du coup, ouais, ce soir, gros programme. Hein. Du coup, nous, de notre côté, pendant une heure, là, on a une heure pour finir le DLC de End of Zoe. Du coup, de RE7. Et après, eh ben, on aura quasiment fini tous les DLC. Le reste, c'est des mini-jeux. On verra si on s'en fait un jour. Je sais pas si je recommencerai directement. Et à 20h15, ça dépendra de Russienne. Hein. Inch'Allah, un jour, il arrivera et il dira à quelle heure il prend. Mais du coup, ils prennent après sur Harry Potter Lego. Voilà, c'est à peu près le budget de la soirée. Hein, des DLC, des jeux Lego. Ouais, appréciable. Petit rototo, ça fait plaisir. Bon, je vais pas trop traîner parce que bon, il me reste quand même déjà à peu près 40 minutes pour finir le DLC. Et potentiellement après, de toute façon, pour remplir, je pense que je ferai le reste des... Le reste des DLC, au moins montrer ce que ça donne. Alors toi, tu vas fermer ta gueule tout de suite, merci beaucoup. Tac, normalement, si je fais ça, le jeu va être là, parce que s'il est pas là, c'est la merde, hein, je tiens à le dire tout de suite. Normalement, c'est ça, voilà, toc, t'es là, boum, tu bouges plus. Par contre, pourquoi j'ai pas locké l'écran? Je devrais locker l'écran plusieurs fois. Voilà. Au moins, ça s'est fait. Et je remets la musique. Parce que sinon, on va entendre absolument rien. Faut me dire si le son est fort. Normalement, il n'a pas changé depuis hier. Donc, ça devrait aller. J'avais laissé à 8 la dernière fois. On verra. Hein. Si ça gueule, ça gueulera. Hein. Est-ce que je me suis démute? Normalement, oui. Je me suis démute, je suis pas con. Est-ce que je suis con à ce point-là? Non, ça va, je suis pas con. Ça va, top FR, je suis pas con. Allez, vas-y, fais péter la fin de Zoé. Du coup, normalement, le DLC, comme, il dure 2 heures. Et là, on avait fait à peu près 1h40. Mais sachant qu'on joue en normal, qu'on a déjà plusieurs bonus, on était bon. Joe retrouve Zoé, mais celle-ci est tapée par des bras d'une créature qui disparaît dans les eaux des marais. Joe part aussitôt à leur poursuite. Du coup, oui, on cherche à retrouver Zoé pour lui injecter l'antivirus. Parce que ça fait quand même quelques temps que la poteau, elle est en train de se cristalliser de ouf. Falloir essayer de trouver un moyen de la rechoper et potentiellement de niquer le mec qui nous... qui chope en fait tout le reste du temps. J'étais prêt à me dire, est-ce que je peux me permettre d'en fumer une? Je ne pense pas que ce soit le moment. Il n'y a pas d'alligator derrière. Il n'y a pas d'autres bestioles en fait, il n'y a que moi dans ce monde. Il y a des bruits chelous. Ok. Ils ont fait le coup de l'alligator. Bande de bâtards. Lui, c'était un vrai. Ok, donc ne pas prendre ses aises. Ne pas prendre ses aises du tout. C'est pas permis par le jeu. Pas le droit de s'amuser. Ok, une autre lance. Ça nous en fait deux. Un autre à choper? Non. Putain, je m'attendais pas à ce qu'il y ait ce jumpscare. Ok, je... Il m'avait bait de ouf en foutant le truc en plastique. Hop. C'est juste de l'eau croupie, il saute de ma gueule. Hop, on va en craft une vite fait. Tac. On a deux, ça va, on va pouvoir en utiliser une au cas où en extrême recours. T'as pas des insectes dedans? Une petite langouste. Je sais pas ce qu'elle branle là, mais. Eh, ça pue comme plan. Ça pue de ouf. Monte là-dessus pour voir. Monte! La putain de ta daronne! Donc c'est impossible d'accéder à la maison qui est là-haut. Là, il y en a un qui traîne. Est-ce qu'on peut l'avoir? Ah, c'est chaud. C'est chaud parce qu'il fait des demi-tours ce bâtard. Si je descends, peut-être qu'il va venir à ma rencontre. Oh, je suis assez proche. Voilà. Tranquille, on y va doucement. On a le temps. Une chimique pour avoir un truc de vie.
C'est de la merde les mettre là, c'est vraiment de la merde. Problème c'est qu'il faut que j'aille là-bas, mais là-bas il y a un objet. Touché à la queue, mais ça compte quand même. Sors Popo, sors Claude, sors Scolar. Ça compte quand même, ça compte quand même. Par contre, je crois pas que j'ai de bois. Non, j'ai pas de bois avec moi, faudrait que je retrouve du bois. Ok, là il y en a un qui est vénère. Limite, si je vais là-bas, que je me grouille, que je monte, il y a moyen que je puisse trouver un bout de bois. C'est bon, au pire, tu vas reprendre une des planches là qu'il y a là. Bon, c'est compliqué, hein. Ah, deux! Ouais, mais deux, ça va être tendax, les gars, hein, parce que là, j'ai rien à vous foutre dans la tronche. Oh. Ouais. Ça me semble plus. Ça paraît corrompu, par contre. Salut, Apoc. Ça paraît corrompu, par contre, d'aller là-bas, là. Mais lui, il va me péter les couilles, là, celui qui est là-bas, là. À moins que je tente les esquives, mais ça me paraît un peu vénère. Ouais, voilà, pourquoi. Voilà pourquoi ça me paraît vénère. On peut pas leur foutre des pains, en plus, à eux. Tu peux le boxer quand ils ont ennemis. Non, on peut pas s'amuser à faire ça, non. Pas avec des alligators. Mais là-bas, il y en a deux. Il n'y a pas de branches sur les côtés, de toute façon, à ramasser, là. Je suis censé esquiver un alligator. Déjà que dans Hero 5, c'était pas facile, alors là... Viens, tu te barres. Envoie, tu me laisses passer. Envoie, t'es super sympa, tu me laisses passer. Non. Non, il me laisse pas passer. Il me laisse pas passer du tout. J'ai pas de branche avec moi. Non, j'ai que du métal. Est-ce que j'ai loupé un truc? Genre, j'en ai loupé un? C'est vrai que c'est que des crocodiles. Ouais, c'est que des crocodiles. Si genre toi, je peux te skipper, ça serait pas dégueu. T'as pas l'air de vouloir. Oh, t'as Edge. On va récupérer le métal. Ah non, c'est fluide même. Alors là-bas, il y en a un autre. Mais c'est que du métal. Putain, il fait le même bruit dans Mission Cléopâtre. Non ! Ok, ça passe pas. C'est très long. Ouais, ça one shot, ouais. Et le problème, c'est qu'on a que deux lances. C'est un peu vénère. Potentiellement, ça va être la colère. Ça va être la colère pour passer, là, un peu. Attends, je vais retourner en arrière, c'est trop que j'ai loupé un truc. Pas louper un petit morceau de bois qui traîne, là. Ça m'en ferait 3. 3, je serais bien, hein. Parce que là, il y en avait une. Il y a pas genre un morceau de bois qui traîne, là? Je peux pas ramasser genre des trucs comme ça, là? Oh, dis. Non, là, c'est pété. Je peux pas y accéder, là, non plus. Ah, j'ai l'impression que je peux avoir que deux lances sur moi. Hein. Il y a forcément moyen de passer. Sinon, il nous laisserait pas... Il nous laisserait pas dans la merde, quoi. C'est pas le genre de Capcom de nous laisser dans la merde, hein. C'est quoi ça? Super de langoustes. On peut pas balancer genre les langoustes en mode casse-croûte pour les trucs. Y a un truc là-bas que j'ai pas fouillé sur les côtés, genre un gros tronc d'arbre, non? Comment je vais pouvoir me branler? J'arrive, tu meurs. Bah là en fait le problème c'est que ça va être du one shot total. Si j'arrive pas à choper le bon truc. Non, derrière y a pas de planche là non plus.
On va prendre la lanterne, l'acheter là, faire diversion. Là, ça va être que du one shot, donc. Essaye d'observer partout, mais en même temps, t'es un plus gros casse-croûte que le petit verre. Ouais, non, mais je sais pas, peut-être que ils ont envie de se taper un verre, j'en sais rien, moi. Bon. How do I démerde myself? Parce que lui, t'as l'impression qu'il est obligatoire, quoi. À moins que je tente l'ultime strat. Benoît, tourne-toi. Bon. Ils ont pas intérêt d'en faire pop 1 en face des mois. Dis-moi, oui. C'est bon, on a réussi en skip 1, c'est bon. On est large. Vous en avez pas d'autres là au cas où il y en a un qui traîne là, genre même un petit bout de bois. Ah mais en fait, attends, c'est de l'arnaque. Ils veulent te faire venir ici, il y en a deux normalement là. Alors qu'au final, bon, on peut facilement y accéder PPR. Par contre, ça rime à quoi d'aller là? Il y a un truc dedans? Un crocodile. Et alors, il y avait une petite figurine là-bas attrapée. Non, même pas, c'est juste un frigo à ouvrir. Ce serait une très mauvaise idée d'aller là-dedans. Pour l'instant, on va se contenter de... Et à la maison, hein. Ça a l'air plus safe. Tiens. Encore une langouste. C'est le pays de la langouste, la Louisiane, je savais pas. Bombe artisanale, je prends. De toute façon, j'ai rien. Qu'est-ce que je peux laisser? Bah ça, au final. La bombe artisanale, on va la garder. Bestiole. On va le foutre là. Toutes les pièces, en fait, à chaque fois... C'est beaucoup trop utile, j'ai l'impression. De toute façon, on ne s'utilise pas, non? Oh non, c'est juste des pièces à garder sur soi pour devenir plus fort. Un peu comme dans les MH. On peut pas prendre un ballon, là? C'est pas un ballon, c'est une grosse urne. Il n'y a pas de physique sur ces petits bouts. C'est dégueulasse. Ok, il y a encore des crocos, pas étonnant. Ça m'a l'air potentiellement claqué comme trajet. Ça va, heureusement qu'il... Oh, ok, c'était quoi cette animation? C'est bon. Là. Chut. Tais-toi, t'es pas beau. Ah, tu fais des cris. Il parle en belge, hein, faut l'excuser. Y'a pas de piège. Non, mais ça... C'est marrant, j'ai l'impression d'être dans la merde. Il y en a trois? Putain, c'est comme si c'était la merde. Petit casse-croûte. C'était potentiellement la merde, mais s'il faut se faire péter pour se faire respecter... On continue à manger. Hein. Petite langouste. Et on se soignera plus tard. Pour l'instant, ça va, on n'a pas trop mangé, mais au prochain coup, par contre, on va se soigner, je pense. Hein. Faut pas oublier qu'on peut les avoir en stealth aussi. Enfin, s'ils sont pas trop loin, parce que s'ils sont à 3 km, ça va être tendu. Comme ça.
Je le sens. Oh, attends. Man versus Wild, mon gars. Bah ouais. Putain, j'ai cru voir un truc qui tombait. Ça va toquer, hein. Heureusement qu'ils sont sourds. Heureusement qu'ils sont bien sourds, par contre, hein, ça fait plaisir. Oh non. Oh non, parce que c'est ce que je pense. Cours, Idir, cours. Bonsoir. Non, mais regarde pas ça. Oh la merde, putain. Non mais arrête de regarder, mon connard. Chut, chut. On se retourne. Oh, y'a Griff Boy. On se soigne. ça va, on s'en est tiré. On s'en est tiré, ça va. La panique était présente, mais ça va. Ah non, c'est juste les glublublu, c'est sûr qu'ils font glublublu. Y'a un truc, là. Voilà. Petit insecte. Ça va, on s'en sort bien, on s'en sort bien. Deux lances comme ça, c'est pas bon, ça, hein. Vous les filez jamais par sympathie, les lances. Oh non, ça, c'est une grosse idée de merde, ça. J'en ai trois, les bouseux, hein. Toujours écraser les couilles, hein. Agréable. Et le bras. Bonjour. Il marche bien cet enchaînement. Ça va. Et une poupée en plus. Putain, et là on va être bien. On va être bien niveau lance là. Puis il y en a deux autres là, regarde. Ça c'est pas bien, ça c'est pas bien par contre, c'est pas bien du tout. Genre sur 20 c'est pas bien. Ah, raté. La pute. La pute. Ça c'était salope, hein. Ça c'était salope de ouf. La poupée, oh putain, en plus c'est bon. La poupée, elle me sert à regagner des, à gagner des petits bonus, des petits bonus de vie en fait. Non, pas de vie, de pourcentage d'attaque. Attends, par contre, on va faire ça. On va avoir 3 de soins là, on est bien, on se met assez large. Vous êtes sérieux les chômeurs là? Mais frappe-le au sol, la putain de ta daronne! Mais oui, super, ils sont beaux tes doigts! C'est bon, il est mort. Et les petits morceaux qui volent, c'est normal.
Putain, la vache, quoi. Faire attention à l'autre bâtard qui court vite. Merci. C'est tout, il y en a qu'un. Oh non! Oh non! Oh non! Oh non, le piège à con! The trap for gays, bordel de merde! Ok. Au moins c'est réglé, ça, on a plus à s'en faire. Alors certes, on en a niqué deux. C'est pas le plus malin. Mais, bon. C'est mieux que se faire éclater la gueule, non? Putain, regarde-moi où il était planqué, l'autre, là. Ils sont bizarres à lancer, quand même, les combos. Y en a qui sont chelous. Je commence à avoir mal à la gambette. Ok, encore une poupée. Hop. Toujours plus de puissance. Non, pas de nouvelle sauvegarde. Tu me prends celle-là. Merci. Hop. On a trouvé là-dedans. C'est bon. Oh. Un centipède. Eh ben, let's go. On dirait le chemin de Resident Evil 1. Un cimetière. Mais dis donc, qu'est-ce que c'est alléchant? C'est du guetter s'il n'y a pas un truc. Je vais tomber. Je vais pas trigger de truc pour l'instant. Ta gueule, toi. Quoi? Non, 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 non! Barrez-vous! Non, mais barre-toi pour voir! Barre-toi! Non, mais barrez-vous! Vraiment! Ouais, super, plus de puissance! Il fait un gerbe! Une gerbe! Non, au secours! Au secours, j'en ai marre d'être con! Au secours! Allez, prends un fruit. Meilleur 5 fruits et légumes par jour. Non, 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 non. Arrête, mords pas, mords pas. Piste de pif. On peut encore supporter un coup avant de se soigner. Attention, on dégage, on attend qu'il gerbe ses morts. C'est bon, mort. Quoi? Mange un petit fruit. Mais il pète un jour ou pas? Ah.
Ah, il compte pas crever en fait. Putain! Non, quoi? Oh la vache. Oh, super! Bon. Y'a des drops? Non, les drops, en fait, c'est... quand je me prends des coups, c'est ça que vous voulez dire ou quoi? Parce que moi, je tourne à 60 FPS, hein. Attendez 2 secondes, je check un truc parce que vous faites peur quand même. Bah non, j'ai drop 10 images. Sur 30 minutes. Moi, je sais pas d'où ça vient. Peut-être baisser 2-3 trucs. Déjà, pourquoi c'est pas 90 degrés? Oh, tu vas m'enlever le blush and blur. Oh putain, mon dieu, oui. Bon? Alors, il fait un peu plus net, mais déjà sans le motion blur, putain, qu'est-ce que c'est beau. Je peux pas blairer le motion blur dans les jeux. C'est censé être quoi? C'est elle qui est posée là-bas, c'est Zoé, ça? Attends, c'est chaud, parce que là, j'ai pas de soin. Hein. Et une église comme ça, ça peut... on dirait un combat. Hein. Ça dépasse le sacrilège. Ouais, dis wallah. Oh, oh, la vache. Oh, oh, le contre. Ah. Oh, tu le soumets, tu le soumets. Jack, c'est pas vrai. Ah ouais, donc c'est le père, ok. Ok, donc le père est devenu un monstre des marais, c'est génial. Continue de m'impressionner, Resident Evil 7, tu vas devenir un de mes jeux préférés. Putain, il me fait une Undertaker. Putain de merde, Jack! Tu reconnais même pas ton propre frère! Ouais, c'est Undertaker en fait! Fais pas ça! Je t'interdis de la toucher! Jack! Jack! Putain! Je suis ton frère! Comment est-ce que tu peux me faire ça? Fais-moi sortir d'ici, t'attends! C'est marrant parce que je vais me noyer! Excellent. Et ouais, tu peux le deviner quand il t'attendait avec la main sur le visage t'éloignant de la maison. Oh, c'était une animation, sur une animation, mec. Ça me met pas bien de ouf. C'est que de l'eau. T'en bois tous les jours. Y en a dans la bière. Oh la vache, Jack. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Dis-le. Putain, il lui a fait une vraie Undertaker, quoi, le bâtard. Ah ouais! Ah ouais, comme ça, j'ai pu... Tchon, tchon, tchon! Comment il a survécu, par contre? Il a fait comme, comme dans Kill Bill. On a besoin de renfort, répondez. Une archéologique a commis nous à... Ouais, mais j'ai compris pourquoi vous avez pris pour cible, hein. C'est pas étonnant. Oh, j'aime bien ça, j'aime bien. J'aime... Je te tiens, espèce d'enfoiré. Allez. Hey, allez vous faire foutre. Hein. Vous me filez pas d'objets de toute façon. Des belles plantes. Premier soin, c'est cool ça. C'est moi, il y en a un qui court vite. Non, parce que je les affronte pas. Hein. Yo! Qu'est-ce que c'est que ce machin? Tu déconnes! Ouais. Tu déconnes, t'es ouf! Prêt pour utilisation. C'est trop! Charge en cours. Charge complète. Oh la vache! Oh mais mon gars! Charge en cours.
Charge complète. Oh là là, trop bien. Charge en cours. Charge complète. Oh là là, mais Iron Man, mon gars. C'est beaucoup trop bien. Charge complète. C'est... La musique. C'est peut-être ce qu'il me faut pour me débarrasser de Jack une bonne fois. C'est beaucoup trop bien. Y'a pas d'objet à ramasser, du soin. Ok, pas besoin d'armes là. C'est bon, on a ce qu'il nous faut. C'est bon, on a le gangelet là. On est bon là. La musique trop épique derrière. Charge en cours. Charge complète. Oh. Oh, c'est trop triste. Trop triste, mais c'est pas grave. Ça pète l'ambiance. Let's go. Je vais libérer ma filleule. Fils de pute. Ah, mais en fait, ça s'ouvrait juste. Toujours plus d'insectes. Charge en cours. Deux, ça suffit pour eux. Charge en cours. Oh, Iron Man, mon gars. One Punch Man. One Punch Man, mon gars. T'es encore vivant, toi? Tu l'es plus. Putain, la musique, elle est beaucoup trop bien. Charge complète. Charge complète. Pas besoin de faire des blagues quand il y a ça. Charge en cours. Charge complète. Charge complète. Il va exploser. Allez, c'est bon, hein. La liberté. Oh, et en plus, 5% de dégâts en plus. Charge complète. Amenez les alligators là. Où j'aille où? Putain, je suis bloqué. Je suis bloqué alors que c'est pas compliqué. Ah mais il y a une porte. Je dois plus être bien loin. Hop, une poupée. Ah, les soldats par contre, ils ont pas trop tenu, hein. Ils sont faits en pâte à modeler, hein. Ils auraient eu un point mécanique, ça serait mieux passé. Hein. En fait, c'est un peu Bionic Commando. Oh, attends, parce que ça s'emmène. Mon dieu, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ça a été la merde, apparemment, poteau. Produit AMG 78, développé pour faciliter le transport d'équipements lourds. Une fois équipé, les impulsions nerveuses sont détectées et synchronisées avec un actionneur qui offre une puissance dépassant les 50 chevaux. Des absorbeurs à la pointe de la technologie permettent d'annuler le recul perçu par les utilisateurs. Puissance maximale 78 AP, 6000 tours par minute, plus maximal, point 5,5. Nous avons fini d'analyser des échantillons de tissu supposés appartenir à Jack Baker. Les cellules montrent une extraordinaire résistance aux dégâts physiques et chimiques, le Mutamycet. Par contre, va falloir qu'ils arrêtent avec leur nom de champignon à la con. Hein. La série E sécrète une enzyme semblable à la à travers les parois de la cellule, causant l'activation anormale de la voie ERK, qui provoque une division forcée des cellules, régénère rapidement les tissus endommagés. C'est compliqué, ça fait beaucoup de mots. Cependant, la division cellulaire répétée mène rapidement à une rupture dans la structure intercellulaire, à l'origine de l'apparence boueuse caractéristique des échantillons de tissus prélevés. Ceci nous amène à penser que les cellules atteignent leur limite de Hayflick. Eh oui, parce que faut le noter. Il a noté que les échantillons provenant des autres membres de la famille, la femme Gurit, le fils K et la fille Zo, ne présentent pas des capacités de régénération aussi étendues. Il semble que les symptômes puissent varier d'un sujet à l'autre. Très bien. T'as quoi sur toi? T'as un scolopendre? Yes. Je suis fan. Plus de soins? Oh mais mon gars, on va être surfumé avec ça. Attends, c'est, regarde ça. Genre par exemple le soin. Foutre là. Ça, on fait tac. Je suis un gros con.
Est-ce que ça c'est mon soin, ça c'est mon soin secondaire ça. Ok, attends. Alors déjà on fait tac. Tac tac. Ça nous fait 3 soins, on est bon. Ensuite, on rajoute pièce rechargement. Mais rechargement, on s'en fout. On va la mettre quand même. Hein. Je sais pas à quoi ça sert, mais bon. Oui, mon rangement d'autiste, oui, je sais, là là là. Oh. Hey, c'est moi. C'est pas toi qui décide. Et de la ferraille, parce que au cas où on retrouve des bâtons, mais bon, là franchement. Rien à péter. Hein. Rien à péter du truc. Hein. Oh, une petite chaise. On peut pas se poser un cul. On a 3 soins, on a plusieurs bestioles. Attends un peu, Jack. Zoé rentrera avec moi. On a un point bionique. Zoé. Ah bah ça va, elle est bien, elle est pépère. Putain, par contre, ça a bien changé la baraque. Hein. Bonjour, madame. Zoé. Zoé, réveille-toi, réveille-toi. Oh la putain de sa mère. Il vient de jarter la nana, là. T'es plus qu'un chien enragé, maintenant. Le moment est plus de piquer. Oh, Venom. Amène-toi. T'as de la chance. Charge en cours. Charge en cours. Aïe, 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 aïe. Charge en cours. C'est le Dark Souls des jeux de baston. Attends, j'ai mis du produit sur mon bras. C'est quoi cette chope de bâtard? Oh, tu fais quoi? Tu fais quoi? T'es grand mort, lâche-moi. Ça se tape des barres. Charge en cours. Allez, allez, allez. Allez, casse-toi, bâtard. Attends. Ouais, c'est bon. C'est bon. En plus, on sera pas striké parce que c'est la bonne. Yes! Balance-moi celui-là dedans. 3, 2, 1. C'est bon. Charge. Souviens-moi, frangin! Oh la pute! Charge en cours.
Alors copain. Des adieux à la famille, Brandin. Putain le timing. Le timing de bâtard. Bon allez. Le timing était beaucoup trop bien calé. Ça y est. Tu vois, fallait faire un goof dans le jeu, ça y est. Le goof il était fait et au bon moment. J'ai pas des... Il bute souvent par contre. Attends, avant on va fouiller. Hein. Parce que qui nous dit que c'est la fin? Certes, on lui a fait péter l'œil. Par contre, il l'a envoyé où la copine? Elle est là. Ça a changé, MK11. Tiens bon. Pas tellement. Ça va aller maintenant. Elle va se décongeler la poteau? Zoé. Réveille-toi, Zoé. Ah, mais c'est la fin. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça va? Je vais bien. T'en fais pas pour moi. C'est fini maintenant. Go. On vous tue. Les mains en l'air. Tout le monde en l'air. Ça suffit. Oh, Chris Redfield, bonsoir. Qu'est-ce que tu fais? Laisse ton arme. Ça va aller. Zoé Baker, c'est ça? À qui a-t-on l'honneur? Chris Redfield. Chris Redfield. On vous a cherché partout. On vient vous aider. Ah, mais c'est trop tard, en fait. J'ai déjà fait le sérum. Et va mieux, hein. Tu vas t'en sortir. Merci, Umbrella. Yes. Mais c'est les gentils, Umbrella, cette fois, ça va. J'ai passé 3 années enfermé avec ces monstres. Ils ont tous essayé de me tuer. Ah, mais je suis là maintenant. Ça va aller. Je ne peux pas croire que ce soit fini. Tu sais, quelque part au fond d'eux, il restait ta famille. Et ils t'aimaient. Surtout ton père. Même dans ses derniers instants. C'est vrai qu'il a toujours voulu rattraper sa fille, hein. Il l'a jamais tuée. Elle encaisse bien. Ouais, moyen. Ouais, bien sûr. Attends. Quelqu'un veut te parler. Je m'appelle Alice. Zoé, tu es là? C'est toi? Ah, c'est la voix d'Ethan. J'y crois pas. Tu t'en es sorti. Ouais, on a réussi. Tu m'as pas oublié. Bah non. Je t'avais dit que je t'enverrais de l'aide. Et je tiens toujours mes promesses. Merci, Ethan. Boum! Eh ben, c'est stylé. Pourquoi, par contre, pourquoi on n'a pas eu le pain plus tôt, quoi? Gisèle Gilbert, c'est pas ouf comme nom. Et voilà. Ethan dans Mission Impossible, c'est ça, c'est exactement ça. Bonjour Nick, t'arrives à la fin. T'as vu, il est beau l'écran titre. Difficulté normale, partir commencer 6, sauvegarde 13, coup de poing 598. 5 exécutions furtives. On n'est pas trop dans la discrétion. Moi. Le mode de difficulté actuel. Défi extrême, complétez tous les défis, obtenez machette maudite. Les défis s'activent automatiquement lorsque vous passez certains checkpoints dans le mode difficulté avec lequel vous avez complété la fin de Zoé. Mode de difficulté, Joe doit mourir. Ouais, non. Oh. Ok, donc on peut refaire tout le DLC avec le pain et un fusil. Simer, merci pour le resub. Ça fait plaisir. Bisi. Attends. Attends, je vais voir ce que c'est du coup le fusil et tout là. Laissez-moi avoir un peu de fun, vite fait. De toute façon, Russienne. Ah, par contre, faudrait peut-être que j'ouvre Discord un jour. Parce que si Russienne m'envoie. Spider, tu lâches le stream! Je le verrai pas. Je fais super bien, Russienne. Hein. Au moins 3 années. Non, par contre, du coup, on s'en bat les couilles. Tiens, je m'en fous. On l'a déjà vu ça. Ils l'ont mis dans une vieille cabane. Pas très loin d'ici. Attendez, bougez pas. Je regarde s'il y a un truc. Je le jure. Ouais, non, mais je te crois. Russienne m'a envoyé un truc ou pas? Non. Bah, m'a envoyé. Y a pas encore le coffre?
Non, c'est plus tard. Ah bah il est là. Je suis con. Alors vas-y, fais voir les updates qu'on a eu là. Fusil M21 et l'AMG. Alors du coup, fusil 21. Et ça, c'est quoi? Attention, accélère le compte à rebours des défis extrêmes. Parce que normalement, c'est ça, ok. Et là, est-ce qu'on peut buter ça, là? Charge complète. Eh ben, ça se détruit bien, hein. Et du coup, le fusil? Ah, c'est un fusil à pompe, ok. Quoi? J'ai pas vu, c'était quoi le défi? Espèce d'étrange. Je peux tous vous prendre à main nue. C'est quoi le défi? J'ai pas eu le temps de voir. Charge en cours. Charge complète. Charge en cours. Charge complète. Oh non, 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 non. Oh bah d'accord. Charge en cours. Charge complète. Mais c'est quoi le défi? Mais c'était quoi le défi? Ils m'ont laissé une minute pour faire un truc. Charge en cours. Putain. Mais je sais pas. Il y a un défi, mais pas de défi. Oh, quel horreur. Et paf! Plastic. Charge en cours. Charge en cours. Oh mais s'ils me disent pas c'est quoi les défis et qu'ils le lancent tout seul. Non, je suis pas d'accord. Oh, c'est mal élevé, hein. Par contre, le speedrun de ce mode de jeu en New Game Plus, ça doit être super marrant à voir. Oh non, ça brûle. Non, non, non. Mais genre, lisant les grappes. Zoé. Toi, t'es là, c'est bon, je suis là. C'est clairement écrit, t'es de mauvaise foi. C'était écrit, t'as 50 secondes. T'as juste cliqué trop vite, bah oui, parce que je voulais ramasser l'objet, pour moi c'était un moment particulier qui nous allait nous balancer le truc, ou je sais pas, mettre les cris, quoi. Oh, arrête merde, de tousser. Pourquoi ça marche? Je peux pas skipper. Je peux pas plaindre, c'est ça. Ça suffira pas. Il va te falloir une dose entière pour la guérir complètement. Attention, fais gaffe à tes pieds, on par contre, là. La base. Détache-moi, et je t'y amènerai. Allez. Quelle base? Ah, j'avais dit de faire gaffe à tes pieds. Ah ouais, c'est scolopendre, là. Laisse-moi ouvrir la porte, je t'en supplie. Oh non, Gilead 2. Merde. Faut que je sorte Zoé d'ici. Hey, s'il te plaît, hop. Bon, attends, dès qu'on est... T'aurais dû la prendre avec toi, Jack. Hein. Moi, je veux juste un point de sauvegarde et puis c'est bon. Bon Dieu, j'ai l'impression d'être dans une saleté de film d'horreur. J'ai un point de sauvegarde. Au secours. Ok, tout va bien, Zoé. Vous en faites pas. De toute façon, on va pas refaire le truc entièrement. Déjà, il y aura pas le temps. Ouais, je regarde des fois sur le stream, en fait, il y a des micro-lags, mais ça vient pas de mon jeu. Hein. Ouais, c'est ça, ouais, Swamp Thing, vas-y, go. Quelle journée de merde. Ça vient de ton CPU. Mais je perds pas d'image, pourtant. Je perds pas d'image.
des soldats a dit que les Médocs étaient dans une sorte de base. Et depuis quand est-ce qu'il y a un mur ici? On avait déjà fait la blague tout à l'heure. Faut pas skipper, toujours pas. On dirait que quelqu'un a laissé les lumières allumées. Allons voir ça. L'impression que c'est dès qu'il y a de la flotte, en fait, le jeu, eh ben, il se met à péter un câble. C'est dommage parce que tout le DLC se passe dans des marais, quoi. Bah, par contre, ouais, Russian, tu fais t'inquiète, Gate, si tu lâches, je suis là. Mais du coup, tu me dis à quelle heure tu veux prendre, hein, parce que... T'en fais pas, ça marche, ça marche pas comme ça. On y est presque. Tu me dis et je lâche. Je suis quelqu'un de super gentil. Pourquoi par contre, toi, l'infection, ça te fait des traces blanches, en mode cocon? Tu vas te transformer comme dans Véronica? Tu vas devenir un homme ou une... Ouais, tu vas devenir un homme, parce que je crois que t'es une femme. Oh non, alligator. Allez, pas maintenant, l'alligator. Allez, casse-toi. Gros cul. Eh, bisous, ouais. Ok. Tu seras en sécurité ici. Attends-moi là. Je vais revenir avec quelque chose qui... Va te requinquer ! Ok, attends, je sauvegarde. Tac, tac. Et on va voir vite fait, en attendant Russian, les autres parties, les autres petits trucs qu'on n'a pas fait. Alors, déjà, Ethan doit mourir. Je vais le montrer. De toute façon, ça va être très... Mais extrêmement rapide. Hein. Ethan doit mourir, c'est littéralement du roguelike à la con. C'est impossible, c'est complètement craqué. C'est en DLC. Il n'y a pas de honte à penser cela. Pour la plupart des joueurs, ce mode est impossible à compléter. Si vous pensez ne pas être l'élu, vous feriez mieux d'abandonner. Mais si vous pensez faire l'impossible, la gloire éternelle vous attend. Je sais même pas ce que ça file en vrai. À moins que ça te file une arme complètement flinguée pour le solo. Voilà, bonne chance. Super, un fluide chimique, je vais aller chier loin. Ah, 2 étoiles! La frappe de ma marque. Petit fusil, ok, je dis pas non. Trouver la clé de la serre dans le séjour. Et c'est là que le fun commence. Voilà. Vous aimez bien? Pas moi. 24 secondes. Voilà. C'était bien. On en fera pas. C'est génial. Moi j'ai bien aimé. Hein. Jack est affamé, alors ne le faites pas attendre. Où voulez-vous faire la fête? À son tour de déguster, apportez-lui de la nourriture à Jack pour le rassasier. Puis de vous lui remplir l'estomac et puis votre rang sera élevé. Mais à terre, temps supplémentaire. Tuez les ennemis rapidement pour afficher un meilleur temps. Les habitants vous transportaient en divers effets sur les capacités, mais attention, si vous emportez trop, vous n'aurez plus assez de place pour l'entrée. Ah, okay. Alors aujourd'hui, c'est le 55e anniversaire de Jack. Pour fêter cela, la famille a préparé un repas spécial, mais ce n'a pas suffi à rassasier le bon vieux Jack. C'est là que vous entrez en jeu. Trouvez la nourriture cachée dans le niveau et apportez-la à Jack pour satisfaire son appétit d'ogre. Vous pouvez trouver toutes sortes d'aliments délicieux un peu partout dans le niveau. Ramassez la nourriture, apportez-la à Jack. Vous pouvez le nourrir en sectionnant les aliments dans votre inventaire. Je suis en train de dépérir. Ok. Ah, on joue Mia. C'est beaucoup trop cool. L'ambiance, en tout cas, elle est cool. C'est ça qui est... Remplis-moi l'estomac. Ah ouais! Oh putain! Il y a tellement de trucs. Baramine dorée, Gold Blaster, une arme futuriste qui tire des rayons mortels à l'infini. Requiert le rang S. 6 circulaires, munitions illimitées. J'ai la dalle!
Pourquoi c'est aussi long? Attends, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ça. Et on va se mettre ça, là, c'est bon. Allez, bah écoute, on a 15 minutes, hein. Remplis-moi l'estomac. Te charge pas trop. C'est bon, là. Pas trop chargé. Ok. Ok. Oh, ils ont des petits chapeaux. Du vin de table. Je suis en train de dépérir. Ouais, bah 2 secondes. Ils sont beaucoup trop bons. Ça reste des ennemis, hein. Ah merde, j'ai pas assez de place. C'est beaucoup trop bien. C'est beaucoup trop bien. C'est super. Je kiffe. Remplis-moi l'estomac. Vous voulez rapporter ça? Histoire de se vider un peu. Bon, on n'aura pas le renvoyer ça. Caca. Oui, caca, Russienne. Délicieux. Encore. C'est beaucoup trop bien comme jeu. Pas d'objet, pas d'objet, on monte en haut. J'en veux plus. Oui, bah 2 secondes, j'arrive. Je vais essayer de pouvoir gratter un autre truc. Wow! Wow, il y a plein de trucs là. J'en veux plus. J'arrive. Déchire ce mode, mais carrément, mec. Ouais, bah 2 secondes, j'arrive. Encore, 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 encore. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qu'il y a? Il aime pas quoi là? J'ai pris des épices. C'est fermé. Ça m'a la pute. J'ai encore un peu de place. On va avoir A, je crois. Tiens, papa, c'est pour toi. Dizzy Peace. Je crois que je peux plus rien avaler. C'est beaucoup trop bien. C'est beaucoup trop bien comme jeu. Habileté, défense, puissance de feu. Mec, c'est le mode mercenarisme en mieux. Putain, en plus, il y a pas mal de niveaux. Hein. Attends, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, attends. 7. Attends, annexe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 niveaux. Oh, 6 niveaux, c'est bien. Hein.
t'as envie de montrer. On va juste en refaire un avec les habiletés. On va reprendre le même et on va essayer d'avoir le rang S. Ça va être chaud, mais on va voir. Merde. C'est quoi ça? Hop. Attends, attends. Oh, tu aimes les épices, pas vrai? Tu peux en ajouter à toutes sortes de choses. Poulet, bœuf et même ragoût. Ok. Papa est vraiment furax, hein, il a faim. Dépêche-toi de le trouver. Hein. Pas de récompense, attaque et tue les ennemis. Tu veux savoir pourquoi le fait d'attaquer des ennemis arrête le compte à rebours? Eh bien, c'est juste comme ça. C'est comme ça que ça marche. En vrai, c'est beaucoup trop cool comme mode, putain. Ah, attends, avec le pistolet, tout à l'heure, ça marchait bien. On l'a plus, le pistolet? Ah, si. Je suis en train de dépérir. On va se laisser de la place, on a pas besoin de soins. Alors, clé variance, permet de voir où sont les objets, augmente votre attaque, augmente le bonus de temps en réussissant une attaque, augmente votre défense. On n'a pas spécialement besoin. Ah putain! Attends, limite, enlever ça. Foutre ça. Remplis-moi l'estomac. Et ça. Bon, allez, bah. Allez, on essaye. Let's go. C'est parti! On va voir en haut déjà. T'inquiète, 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 t'arrives. Puis il y a le méga blaster en haut là. Normalement il y a le blue blaster. On a juste deux bouteilles. Je suis en train de dépérir. T'inquiète, 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 ça arrive. C'est beaucoup trop bien. Par contre, je pense que c'est mort pour avoir le S, là. Remplis-moi l'estomac. T'inquiète, papa, j'arrive. Ouh, délicieux. Je recharge. Merci. Encore, encore. Oui, mais deux secondes, hein, ça arrive. Putain, c'est génial. Continue. Ça va être chaud niveau balle. J'ai plus de balles. Pousse-toi, s'il te plaît, monsieur. Encore. Enfin, je reprends des balles. Non, mais on passe ça. Voilà, bon. Délicieux. Putain, c'est chaud. Je peux pas prendre le vin de table, merde! Ah, j'aurais pas le S. Je crois que je peux plus rien avaler. Oh, 4 secondes! Oh! Ça, c'est les munitions. Les munitions m'ont foutu dans la merde. Ah, j'aurais dû emporter un stock supplémentaire. En tout cas, c'est beaucoup trop bien. Il y a beaucoup trop de trucs à faire là-dessus.
Il y a beaucoup trop de trucs à faire. Est-ce que Russian, tu es prêt à prendre mon cher ami? Est-ce que tu es prêt? Ou alors sinon, je vais continuer à parler hein, pendant quelques temps. De toute façon, on va essayer de trouver une petite musique en attendant à foutre. Hop. Je suis bon, moi. Eh ben, d'accord. Bah, du coup, vous savez quoi, les potos? Je vais remettre l'écran d'accueil. Tac. Je vais vous laisser en compagnie de Russian et de Poons pour Lego Harry Potter. Moi, je vous fais la bisette. Et puis, bah, à tout de suite pour la suite du stream. Bougez pas, les potos.